Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Clarfond pour un nouvel épisode de Galaxy of Pain of Paper. On va partir sur une mission d'interception. Ah, c'est Kent qui donne. C'est Peignoir Man. Et j'ai son super peignoir. Somewhere. Oh, ici, hein, on y est. Hein. Vas-y, hein. Ok. Ok, il y a une attaque de vaisseau. On voit même des trucs clignoter et tout, hein, ça, c'est la guerre. Ok, ouais, raconte toute ta vie, hein, ouais, vraiment. Putain, vous racontez vos vies, je suis sûr que si t'es anglo-saxon, ça doit être sympa. What? Il y en a partout. Allez. C'est un petit vaisseau. Ok, c'est parti. On part avec l'Amax. L'Amax ou rien. Vas-y, je vais faire une fin de tour. Par contre, ils ont tous beaucoup de PV. Moi, je suis un peu moisi. Hein. Faudrait que j'ai un vaisseau un peu moins moisi. Ce serait quand même super bien. Hein. Rien, mais ils ont tous des super vaisseaux. Hein. Ah, j'en ai esquivé une partie, visiblement. Ah oui, vous êtes 10% d'évasion, ok. Une fois que je voulais me réparer. Hein. Astéroïde, on descend. Il n'y a pas de combat à faire ici. On se casse. On retourne dans l'espace. Y a rien à faire ici, c'est juste un vieux caillou. Quoi, bref. Let's go fight. C'est bleu, on part sur un 2. On a bouclier quoi. Ah, il a conservé du point, c'est mignon ça. Fin de mon tour. Quoi? Il ne fait rien? Bah il crève! Pourriture communiste! Ah, il s'est laissé abattre. Très drôle. Encore une batterie. Ah non mais moult batterie hein. Bon allez vas-y la max. Ah, j'ai envie de cramer une batterie, de faire le... faire Jean Kéké. Mais non, fin du tour. Je vais le laisser me saucer. Et voilà! Ok, c'est bon. On a fait le taf. Ah, oh mince, c'était le scénarium principal. Un power output increase from 4 to 6. Ah, le dé de combat, il passe d'un T4 plus 1 à D6 plus 1. Ah, c'est cool! C'est vraiment cool. Ok, on prend des trucs. Un ginormous action figurine. Ah, vite, allons dans le meta shop. Ah non, j'ai la pile. Ah non, moi je veux la pile de chocolat. Boss battle approche. Ça peut être rigolo. Ah, ça c'est de la musique qui plairait tellement à Bob Lennon. Ah si jamais vous êtes abonné à Bob Lennon, passez-lui un bout de ça, il va kiffer je pense. Je pense que vraiment là, regarde tu vas ici là, tu lances ça comme ça. Là il est à fond, hein. Il se met à rouler de la tête et tout sur le bas côté là. Il te lâche des ouf mon gars. Oh, et là il est un peu plus là. Là il devient possédé instantanément. Ah, allez pourrir la chaîne de Bob Lennon, je vous promets, ça va marcher du premier coup. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, campagne quest. Ah, on peut déclencher une nouvelle campagne. Mais d'abord, on va lancer notre interception. On n'a pas fait toutes les interceptions. Moi, je veux faire toutes les interceptions. Je veux prendre du succès, de la connaissance. Je veux voir ce qui arrive quand on arrive là. Allons-y, c'est parti. Ok, et puis en plus, on va rouler du D6. Eh, regardez la thune. La thune aussi, hein. La thune, elle est bonne.
Ok, go. On va où? On va ici. Fonce dessus. Paf. Allez. C'est l'heure de l'action. Oui, c'est ça, on roule un des 6. Putain, c'est trop bien. Enfin, ça serait encore mieux si j'étais pas nul, quoi. Oh, le mec, il a rien fait. Il a économisé tout ce qu'il avait, quoi. Ah, je peux activer un missile. Attendez, faut que je fasse ça. Oh, il me met la max. Oh, il a max. Oh, la max. C'est beau, hein. Oh, 6. On sait pas. J'ai envoyé un truc, visiblement. Ah, en fait, je... Ok, il y a une action pour charger le missile et il y a une action pour la tirer, donc ce qui coûte un peu cher, mais à première vue, ça doit être très puissant. On va tester ça sur le prochain. Ouais, on a pas mal d'HP. Donc là, en fait, tac, c'est ça, on charge des missiles et là, on tire du missile. Ah oui, quand même. Oui, ça met la max, quand même. Alors du coup, je suis en missile mode. Ça se passe comment? Non, je repasse le laser, hein, ok. Ok. Paf, 30 balles. Putain, c'est trop bien de faire des guerres spatiales. Moi, je veux faire que ça. Hein. Oh, level up. Oh, c'est beau, c'est sexy. Oh, c'est sexy. Fin de mon tour. Ah, oh, l'autre il a même pas osé, il s'est dit qu'est-ce qu'il fait le mec. Ah mais ça m'a déchargé les missiles. Alors ça par contre c'est débile. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr d'avoir assez de points pour pouvoir et charger tes missiles et les tirer. Ah ouais, d'accord. Sinon c'est râpé. Ok. Ah, les dégâts ont été réduits ou augmentés, j'ai pas fait attention, je crois qu'ils ont été réduits. Ah oui, parce que je suis plus au missile, je suis à nouveau plus que laser. Un reroll. Oh. Oh. Intéressant. Ouais, au contact des cadres, ok, bien sûr. C'est cool, ça monte de niveau tranquillement. Et ça, c'est plutôt bien. Alors toi, en fait, du coup, le poison, c'est super. Mais le truc, c'est que vu que t'as un gros move critique, en fait, ça devient très intéressant que tu fasses ça. 20% de chance to apply burn statue. Ah ouais. Ah oui, mais c'est seulement mon attaque basique. Ouais. Oh, il y a des trucs sympas, hein. Il y a des trucs sympas, on va pas se mentir. All target afflict by poison. Ah oh ouais, il y a des trucs un peu sexy quand même. Hein. Bon, on verra quand on aura plus de. Hein. Rise of critical chance, 8 to target. Attends, ça augmente les chances critiques. And your target by 20% for the next return. C'est nul. Parce qu'en soi c'est complètement pété d'avoir plus de 20%, surtout sur un perso comme ça, on monte à 44%, on a une chance sur deux quasiment de te mettre un crit. Et on fait des dommages critiques à 69%. C'est sexy, c'est complètement sexy, à plus 69%. Le problème c'est que je donne 20% aussi à mes ennemis. Du coup c'est moins sexy. Yes, je te rends la mission. Hein. Yes, vas-y, c'était cool. Je veux en faire une autre. Je veux en faire une autre. Alors par contre, vous avez vu, hein, quand vous spammez les missions, en fait, ça perd de la valeur. Voilà. Bah non, on a tout fait. Non, mais vas-y, on va arrêter nos conneries aussi. Sauf si... Il nous manque un poil de huc. Moi, j'ai envie de faire de la chasse. De la chasse sur Greenhouse. On va redescendre dessus. 85, allez. Allez.
Allez, il faut y aller. Parce que déjà, il nous faut des sous, on le sait. Et parce que je les ai pas affrontés, ces boss super forts normalement. Quoi, 9, c'est super bien. Il y a un mec également qui doit normalement nous vendre, si possible, un scanner sur cette planète. Et oui, il y a une histoire de scanner. Non, toi tu nous vends une monnaie nue, je crois. Oui, tiens, vas-y, prends mes sous, vas-y, casse-toi. C'était pas toi qui... Ah non, là c'est le mec qui me parle d'e-sport. Ah, ça va être sûrement un clin d'œil à quelqu'un, slash quelque chose. Va savoir. Ça, c'est le baril nul. Ah, c'est là. Moi, je vais y arriver, hein. Ok, attention, scanning device. D'accord, ok, mais tu veux pas me dire c'est quoi la monnaie qu'il te faut, ma gueule? Bref, on va avancer, on va continuer à tabasser des gens. C'est parti. Alors ça tourne mal, il faut que j'en mette 4 comme ça et un comme ça. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien ça, ouais. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, c'est bien. On va juste en friter deux, ça ira. Ok. Pétard, ils sont plus rapides que moi. C'est vrai que mon initiative, c'est vrai que c'est pas tellement ça. Voilà, bon là par contre, on est sur des mecs qui font des vrais dégâts. Voilà. Là, on discute. Oh là là. Je devrais te tabasser toi là. En premier lieu, avant de tabasser qui que ce soit d'autre. Oui, non. Alors je crois que j'ai plein de trucs contre les effets négatifs. Moi, j'en ai encore pas mal. Vas-y, donne-lui. Ah, tu régènes fort. 9 par tour quand même, hein. Toi, ils ont été plutôt cool. Là, ils répartissent les attaques, ce qui fait que c'est plutôt cool. Et à 45 grosso merdo, 46. Ouais, 46 c'est pas sûr. Moi je vais être sûr. Je vais être sûr qu'il passe. Oh, c'est bien ça. Ok. Critique. Bah là on passe tout à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire. Pff, oh là là, c'est sale. Ah, c'est sale. Avoue que t'as pas aimé. Oh, c'est sale. C'est sale ce qu'ils te mettent, mes gars. Ouais, c'est dégâts sûrs. Bah voilà, c'était bien. 59$, une super veste. Ah oui, on va me donner la moitié de ma récompense maintenant. Ah non, on va me rappeler qu'il me reste des mecs à faire, ok. Alors, rappelons-nous par ici, hein, tant que le loup n'y est point. J'aurais bien besoin de faire une sieste.
Voilà, on va sortir d'autres crabes. Alors on s'est pas fait le Mister Gélatine parce que je l'ai déjà fait. Mais j'aimerais bien prendre encore quelques niveaux avant d'aller m'attaquer aux espèces de crevettes là. Faut que j'en fasse 3. D'ailleurs j'aurais peut-être pu sortir du poison. Ah oui, non, mais c'est vrai que le poison c'est pas pratique, j'avais oublié ce détail. Yes! Bon, il faut qu'on bourre le même. Le même c'est celui d'en haut. Allez, vas-y. Hein. Paf. Paf. Joli, hein. Joli. Ce qui est marrant, c'est qu'il a moins de chances de crit, ce couillon. Et il sort 19%, tu vois, il a moins de chances que l'autre. Et il sort plus souvent des crits là. Actuellement, ce qui fait que c'est plutôt cocasse. Hein. Alors attends, on va le dégivrer que ça y est, on ne traite pas non plus. Hein. On pourrait pas trop traîner dans cette histoire, voilà, paf, hop. Voilà. Il te reste quoi, 45, 12, ouais on tape pas de dessus, c'est bon, tu tombes quoi. Ah, il y a même moyen que... Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Voilà, ça suffit. La pizzouille, la pizzouille, la pizzouzaille. Il sort jamais de son stun l'autre, hein. L'autre il est en mode stun block, il bouge plus. Ah bravo, il est revenu. Bonjour, pas le bienvenu dans le monde des vivants. On va plus avoir fâché, hein, avec un petit crit direct. Hein. What? 6 PV, la blague. Il est stun. C'est réussi. Allez, donne le pognon! Yes, c'est réussi! Razor Standing Alien machin. C'est un nouveau truc ça! Mais comment j'obtiens ma récompense? Bon, je peux tout comprendre. Ah 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 ah! Il y a un petit coffre là. On est pas idiot nous. On veut des coffres. C'est un Luminous Stone, raise your SP by 9. Monstrueux ça. Ça c'est monstrueux ça. Attendez, ça c'est cool. Ouais mais critical chance. Ouais, j'aime bien t'avoir en caisse à PV. Hein. Mes HP par 12 et mes SP de 2. Je dis c'est pas mal comme ça. Ok. Et là pour le coup on part touc touc et on va voir des choses bien plus intéressantes dans notre monde. Ok, bon, déjà peut-être commencer par voilà un petit soin et donc lancer la nouvelle campagne. Incroyable.
Go, on démarre la mission. Heading to bridge to continue your adventure. Wow. Complètement ouf. Travail time to bridge. Ok, on va aller à bridge. Allons à bridge. Mais avant, faisons peut-être un petit saut à Neo Tokyo. Parce que j'ai 1000 balles du coup. Oui. Ah, 5 c'est bien la première. 5 c'est un chiffre qu'il fallait faire. Jean-Michel. Ouais. On va augmenter le DPS. Ah, il faut encore 2000 balles. Hein. En vrai, il faut farmer. Hein. Faut farmer un peu. Hein. Ok. Donc, il faut aller à Bridge. À Bridge. Je sais pas où c'est. J'y vais. Je vais aller à Bridge. On peut pas avoir une localisation de Bridge. Ça vend que des items base hein. Bon ben j'ai ouais non mais j'ai rien à vendre bon. Ah. Tabasson du clone. Oh, c'est bon ça va aller. On peut pas se balader ici hein. Je pense qu'il me manque une donnée quelque part. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Je pense qu'il nous manque vraiment quelque chose. Oh. Salut bande de space foutreurs de rien. Je suis le professeur Oran. Ouais, je vous suis depuis tanton. J'ai un projet secret. Il veut faire des sauts dans l'espace. Ouais, il veut qu'on aille le rencontrer. Ok. Va. Go pour ça. Allons le voir. C'est un simien, d'accord. Un portable, il veut tester un scanner portable. Le scanner waits us at Neo Solo. Ah! Ok, il a rejoint le cru. Ok. Qui vient du coup, vu que j'ai zappé un peu tout vite, je sais pas ce qu'il veut scanner ici en fait. Like this shirt, I also done a treasure anywhere.
Ok, objectif, mythe le point pour un, ok, spaceport, ok. D'accord. Ok, t'es venu, bon. Bon, il était venu voir s'il n'y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Hein. Je peux comprendre. Hein. Et donc, on est venu tout scanner. Un gabargite, city planète, résidu. Trop bien, je les prends. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on est des bits. C'est ça le vrai souci. Ah ouais, non, mais on s'en fout de ta vie, c'est génial. Oh, un vin! Un vin magnifique. J'ai quand même trouvé de la merde. Génial. Vraiment, c'est génial de trouver que de la merde. 7, j'ai trouvé de la merde. Super. Du coup, je m'invite à mendre ici. Voilà. On va chercher. Araki, Notokos, Zabat Cleaner, Tenzemovic. M'explique. Attends, ils nous prennent pour des super-héros du nettoyage? On s'en fout, on passe pour des nullos, mais on le fait. On le fait. Voilà. Yes. Voilà. On sait jamais ce que vaudront ces poubelles demain. Donc voilà. On sait que son scanner, c'est de la merde, quoi. Regarde, un vin naturel et hop. Du caca. Du caca en sac. Génial. Tellement génial. Bon, Doc, tu t'es assez foutu de notre tronche, là. Il l'a fait exprès. Ah, le mec, il nous a embrouillé juste pour qu'on fasse du ramassage de poubelles. Tu nous as transformé en ramasseur de poubelles. L'arnaque. L'arnaque, le crime, la botanique. Et il faut se rendre donc au Canada. À la préfecture du Canada. C'est très rigolo. Ah, le scénario nul, mais il est génial. Il est nullement génial, ce scénarium. Trace minerals, you got smashing work, tier special, extract the mineral without damaging them. De la thune. Scanner should not work on any planet. D'accord. Bon, on a gagné un scanner quand même pour trouver des poubelles. Yes. La première vie transforme les ordures qu'on a trouvées. Il y a un type d'ordure en particulier qu'on a trouvé. Qui leur permet donc d'être transformés en un minéral utile et constructif. On va aller voir ça un peu. Je vais aller checker ça sur d'autres planètes. Parce qu'après tout, on est là pour se balader. Hein. Mince. Hop. On est là un peu pour se balader. C'est que des voyages extrêmement sécurisés. Hein. Moi, j'aimerais bien me faire attaquer dans l'espace un peu. Ok. Eh ouais, ça marche. Oh, ce petit blues du départ là. On n'a rien trouvé. C'est bien dommage. Ok. Et maintenant, je vais faire que des chiffres tout pourris. C'est parti. Ah, 20 naturels. Ça compense, ça compense. Un sandium, pyramidal element from desert planet. Ok. Si tu veux. Ah.
Pas naturel. Joli. Un autre sandium. Fait plaisir. On peut créer une nouvelle quête. On va la prendre. Heading to continue l'aventure. Ok. Ok, en fait, on a fait. On s'est détourné de la quête principale, semblerait-il. Ah! Votre ATV se met soudainement à piper into something on the road, à propos de quelque chose sur la route. Vous regardez derrière et c'est un shiny thing lying on the ground. Un truc chelou. Maybe the shiny things, le truc qui brille chelou. Voilà, on s'y intéresse quoi. Au pire, baston, et j'ai envie de dire, baston, est-ce que c'est vraiment le pire? On aime le baston, ça nous arrange toujours. On aime beaucoup. Ok, sauf qu'on a toujours pas découvert le lieu où nous on doit se rendre. Hein. C'est genre critique quoi. Toujours pas trouvé quoi. C'est dans l'espace hein, par contre, ça c'est sûr. Après j'ai pas... Oui, parce que comme un blaireau je regarde pas autour. Or je devrais. Oh, double réussite. Est-ce que ça paye vraiment? Deux océanium. Ah oui, ça paye quand les deux réussissent, ça paye. Okay. Un océanium. Ok, très bien. Du coup, j'ai envie d'aller voir le rigoloman. L'énorme obélisque. Eh ben, on observe l'obélisque, comme toujours. Oh! Something on the road. Ah, c'est le shiny machin. Vas-y, je vais t'aimer le. Voilà, 50 balles. On aime. Est-ce que j'ai la bonne monnaie? Scan machine upgrade. Do you want to upgrade your scan machine for 300 crédits? Non. J'ai pas 300 crédits. Quoi? Maintenant il me demande juste des thunes? Mais mec, depuis le début j'en ai des thunes. Je suis venu te voir avec des thunes. Mais t'es vraiment une pourriture. Attendez, c'est quoi ces conneries? Ah, mais moi c'est pas grave, hein. Je m'en fous, je vais générer une mission. Une mission dans la mission, c'est une question de mission. Non, je veux faire une interception. On peut faire des collectes, c'est rigolo ça. Pour ce crétin, je sais pas là où ça paye le mieux, par ici par exemple. Allez go. Allez vas-y, appelle-nous. Yes, on peut se faire des missions scan aussi, hein. Ça peut être très rigolo. Hein. J'avoue tout. Hein. Allez, défonce-moi ce con. 6. Ah bah alors là, passe une mauvaise journée, ma petite gueule. 4. Tire Pew-Pew. Ça va, tu triches? 10%, hein, le mec, ça s'est transformé. Ça s'est transformé en 66% de chance de réussite. Ok, c'est une batterie. On avance. Ah, déjà, vous voyez, 234 thunes hein, là-haut. On a fait de la thune. Hein? Allô? Ah oui. Je suis cliqué sur fin du tour. Ça peut être... On lui a mis la max. Bonne journée. Et on a gagné de batterie.
déjà tombé un tiers de sa vie. Le fait qu'il n'y ait pas forcément de boss spatial pour enfin peut-être, en tout cas il y en aura peut-être, mais pour l'instant il n'y en a pas. Yes, on level up, ça c'est cool, ça c'est cool. Yes, bien joué. Just ok, on envoie un mail. RPG module lost with new planet tips, new monsters and even new class. Ok. Ah, on va choisir. On choisit un RPG module, enfin un module de RPG à débloquer. Parler et négociation, MedTech sans frontières, Wooga, ou de la Power Savage Hunt. Alors moi je vais dire que je suis pas quelqu'un de très raffiné. Savage, MedTech, négociateur. Ouf. Allons là. Il y a un mec avec un crochet. Moi, il me plaît depuis le début. Voilà. C'est un bon choix. Allez, en chier. C'est parti. Allez, on va en chier. On s'en fout de l'histoire. On veut tabasser des gens. On veut tabasser des gens. On veut tabasser des gens. Vite. Ok. Très bien. Des nouvelles choses. Super. C'était de la super musique. Super. Super, super la musique. Du coup, on peut retourner là. Parce que je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est son super scanner. C'est quoi ça? Ah oui, c'était pour reporter les bugs. Non, mais ça va. Yo, wesh ma gueule. Oui, je paye 300 balles. De bon cœur en plus, monsieur. J'ai pas compris. C'est, Coco s'est payé ou pas? On retourne sur notre vaisseau, on va voir. Est-ce qu'on peut explorer de nouveaux mondes? Oh! Non. Nouvelle campagne, ouais, mais c'est pas. Class Story? Ah, lourd sniper, smuggler, ou cyborg, scientiste. C'est rigolo. Non, non, je vais pas faire. Des quêtes de classe, bien que ça a l'air tentant, mais le truc c'est que voilà, je voulais tester la collecte, surtout que ça paye énormément. On va suivre Aliena qui va nous demander là où elle nous paye le plus, c'est sur Tanton. On va aller sur Tanton, enfin là, tout du moins là on prend le plus de répute. Hein. Voilà, on va te faire une petite collecte, ça me fait plaisir. On s'en fout, non mais vraiment, juste on s'en fout. Voilà. Tanton to find the sciencerie formulae, des formulaires de sorcellerie. Ah, on se fait attaquer. Ah, un vaisseau marchand, respond waiting for customers, attend donc des clients. Il nous contacte et nous dit what are you buying, qu'est-ce que vous voulez bien acheter. Random gadget, that's exactly what I want. 40 crédits for some food, definitely food is good. Non, vas-y, je vais prendre. Ok, bon, bon, une suite. Le truc de vitesse, bon. On sait jamais, voilà, il y avait peut-être une chance de gagner un peu de trucs sympas. Go! Donc, c'est quoi? C'est du scannage qui se rapporte au plumage? Non, pas du tout, c'est de l'agression. C'est de l'agression et de l'attrition. Ok, j'ai trouvé un truc.
Je trouve une magnifique fontaine avec un liquide très clair. Plonge ta tronche dedans, fais pas chier. Ah, visiblement tout le monde s'en fout. Ok. Ah, je fais crash le jeu. Ah, j'ai crash le jeu. Ah, intéressant. Attendez, on va faire un petit retour menu. Visiblement, on l'a fait souffrir. Ok, du coup, ok, ça nous a arrêté là. Elle est un petit peu trop vite pour lui. Ok. Ok, on a gagné 18$. Énormément de réputation, alors qu'en vrai, on a fait que de la merde. Enfin, on a rien fait d'intéressant en vrai. Ce qui est assez cocasse. Tiens, arrête-toi là. J'ai peut-être des merdouilles avant. Mais non, je vais pas acheter, je veux vendre. Gadget, j'en ai un à vendre comme ça qui sert à rien. Ah oui, non, pour l'instant, c'est ce que j'ai de mieux, ça. Les autres, pour l'instant, c'est des items de régénération. Je voudrais pas les gaspiller. Oh là, ouais, vas-y, je vais te vendre les 3 paquets. Moult paquets tasses d'ordures, ça. Hein. Et ça, ça vaut des tunas aussi. S'en servira une autre fois. C'est vendu, j'ai vidé un peu le merdier. Alors la classe story. On va écouter encore de la musique des années 80. Ok, on change d'espace-temps, c'est parti, on change de rime. Ah. This is the pork invasion. Scram. Ok. On se fait envahir par des porcs. Leave them alone, you pig. Oui, il est stylé en fait. Hein. En vrai, il est stylé. Donc quoi comme niveau, les mecs? 14. Ils sont plus forts que moi, hein. Ah, j'ai pas changé d'arme. Bon bah c'est pas grave. Blast, blast bien, blast fort, blast tout ce que tu peux blaster. Je peux pas prendre le risque de faire une chance sur deux parce que là ils cognent quand même un peu fort les mecs. 70, ouais, youpi. Un beau 70 bien gaspillé comme il fallait encore. C'est marrant que comme quand je sors des critiques, c'est vraiment juste pour les gaspiller hein, quand même. C'est assez cocasse hein, cette histoire.
on a win 111 balles, 74 XP, ça fait plaisir. Et on a gagné 3 frog modèles. D'accord. Ok, ça permet de reroll les 1 obtenus. Ok. Peut-on aider? Bien sûr que oui. Il y a un pont super tactique. What the Eevee's plan for the Pork Invasion? Storm their command center. Un Pork Dominion Pocket. Ouais, non, on va les ratisser les uns après les autres. Moi, ça me paraît bien. Oh! Ok. Ouais, pareil, c'est dommage, on a un crew, mais on peut pas trop interagir avec notre crew, ce qui fait que c'est un peu tristou. Non! Mais merde, flûte, mais je faut que j'arrête de cliquer pas sur le bon bouton là, c'est pas possible. Je jure, un jour j'arrêterai de faire de la merde. Soignez ces braves gens. C'est héros légendaire après tout. Et tellement doré. Je vais te rééquiper en poison. Parce qu'ils ont pas l'air d'avoir du shield. Ah, t'as le truc de soin là. C'est pas mal aussi. Un truc radioactif aussi. À 8. Ça balance du 39-48. Ça empoisonne. Et après, ça fait du 29-36. 27, 39, 48. En fait, ça c'est le top, mais ça va coûter très cher. Et ça va pas forcément me soigner. Ça restaure mes HP, donc c'est pas mal aussi. Et c'est moins coûteux. Allez, on part sur ça. Plein de choses, bah non, on va voyager un peu, attends, avant d'y aller quand même, faut pas déconner. C'est une porc à pic boise. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai pas un très gros niveau en plus donc. Ah, des embrouilles. Chanjoid, quelqu'un a vraiment besoin d'aide, allez. Ça manque de pas mal d'événements. Ougar, ennemis, get off for your lazy bone sporks. Ok, il faut buter 3 cochons. Faut vraiment se farcir 3 porcs là. Ah. Il y a vraiment genre hey mec, tu vas crever quoi. Ultra challenge. Si c'est activé, j'ai vraiment un super méga loot de la mort qui tue les pampans. Or j'ai déjà tué 3 porcs, j'ai envie d'en tenter 4. Allez, on tente les 4 porcs. C'est 4 porcs ou t'es mort. Ah mais on a Jean-Claude en plus avec nous. Super cadeau. Ils résistent au poison. Voilà, ils ont tous trop de corps quoi. Ah, ça en fait, c'est aussi ça le problème, c'est qu'ils ont trop de corps les mecs, tu leur fais rien. J'ai tellement pris la max. Balance des 40 quoi. C'est ultra chaud. Il te reste combien de PV? Toi là. Ouais, vas-y, tape dedans. Hein. On est même pas sûr de le tuer. Hein.
Oh non, mais les mecs ils collent des prunes quoi! J'ai envie d'attaquer quelqu'un d'autre, mais j'ai peur qu'il se régène l'autre naze. Hein. Tout ça, il a résisté. Et il nous met la max. Putain. Et tu lui mets un crit. Ah, le crit pour un point de vie quoi! Ah non, mais. Ah, vraiment, j'ai vraiment pas de bol quoi, ça me tue. Ça me tue de pas avoir de chance comme ça. Eh bah balance ton critique hein, comme on dit hein. Après balance ton corps, balance ton critique hein. Bon, normalement toi tu crèves. Toi tu crèves pas tout de suite. À 75 sur un mec presque crevé. On en parle de l'utilité. Yes, j'ai un bloc par terre. KT, je vais le ramener. On reste 100 HP. Vas-y, hein, on le masse. Hein. Ah, bah, c'est raté. J'ai raté, je l'ai payé. Oh, ça coûte cher. Hein. Je continue à me soigner. Oh, oh, le crit, ça rend des points de vie aux potes. Oh, c'est trop yimbe. Oh, c'est trop yimbe. J'ai rien à dire, hein. Le poison, vraiment meilleur truc du jeu. Ok. Bon, bah, on a cassé ce pack, hein. C'était bien. C'est grand comme zone en vrai. C'est pas mal du tout. Hein. Bon, on va d'abord entrer au spaceport hein, parce qu'on n'est pas frais. Hein. Avant de continuer cette quête incroyable. Ah par contre l'XP monte. Hein. On a fait deux fights, l'XP c'est gavé. Hein. Par contre j'ai peu de coffre hein, pour mon super combat. D'armes, sporks, voilà, on appelle les ports aux armes. Un Inside Dry. On est chaud. On continue d'en friter 4. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les porcs, ils sont déter. Les porcs, ils sont déter. Oh, ils sont vraiment minés, hein, les porcs. Ils sont déter. Minés. Voilà. Ok, ok. Bon, on va taper simplement, mais sûrement, toujours sur le mec d'en haut. Voilà. Les mecs ils font pleuvoir les crits quoi. Ça fait un de moins qui joue déjà. C'est déjà ça. Oh, mais ils visent toujours le même quoi, la fatigance. La fatigance j'ai dit. Qui se rapporte à la prestance hein. Visiblement pas cette belle phrase. Les erreurs de langage. Zeraté. Ah mais c'est fatigant, ils visent toujours le même quoi. C'est vraiment fatigant. Oh le crit à 76 il m'a fait mal quand même. Pas se mentir, je l'ai senti passer celui-là.
Tout simplement le poison quoi. En fait ça le problème c'est qu'ils sont tellement résistants que tu sais pas quand est-ce que ça va passer sur eux quoi, en fait c'est... Gadget tier artifact, extract the power from the artifact, upgrading your mind master skill. Ah! On a gagné un point d'esprit et tout? Yes! Cool! Il faut aller loin. Mais d'abord, pause café. Toujours pas eu de loot, hein. J'ai tout sacrifié et pas de loot, hein. Le jeu ne veut pas qu'on ait de loot. C'est horrible. Sand Raider encore. Bad Raider, Warders, you hear. J'essaie d'identifier cette créature. Pourquoi il se figure là-dessus sur vous? Ok, donc ce caillou, j'ai essayé de savoir qui c'était en le regardant, puis il nous a pointé du doigt et on a eu l'esprit pas embrumé mais un truc du genre, merde je sais plus c'est quoi le terme utilisé, excusez-moi je sais plus c'était quoi le terme utilisé, voulais-je dire, résultat des courses, je ne me rappelle plus, enfin bref, et puis là on tombe dans les pommes, la créature s'en va. Alors elle nous donne une vision d'effroi, hein, quelque chose d'assez effroyable. Attends, il y avait un truc ici. Hein. Chef port, level 15 élite. Oh la misère. Quoi? Blam, right in front of you. Pile en face de vous. Pile en face. Vous avez compris? Une météorite chute depuis le ciel et... et défonce la route. Enfin, touche la route. Qu'est-ce qu'on fait? Let's break it. Port. It could be filled with bridges. Voilà, dépouiller pour gagner un Severidium. Oh, j'ai fait le choix. Je fais des vrais choix. Ah oui, la bobotte. Donne la boîte. Donne la bobotte. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné la bobotte. Un officier de patrouille de la Nova Drive. Il me demande une licence. We are not Nebula Command, I know.
Ok, on a gagné un nouveau type de mission, on a rencontré la nouvelle police locale. De la volcanite, intéressant. Et on peut taper des ports, mais pas que des ports. On peut pas taper un seul port en fait. C'est rigolo, hein. Y a pas de ports qui traînent, c'est vraiment. On a fait un vin. Ah. Vous entendez quelque chose sur le haut de la colline? Good bandit already sur Frexter. Je peux claquer 10. I could use the first thing as a shield. Vas-y, fais ça. Et j'ai gagné un XP. Voilà, c'était rigolo. Parce que j'avais pas envie de claquer des points de speed. Des points de. De SP. Ah, le mec il a une capsule, il dort. C'est affiché. Alors je peux acheter de quoi me régène. Gadget, karaté book. Mais dommage, augmente de 3. Le piercing nul. Ça m'intéresse pas gros. Ah non, mais attendez, ça fallait que je l'équipe. Ah, faudrait voir alors. Il faudrait voir. Ah non, c'est quoi? Ah oui. C'est un passif du coup. Je comprends pas trop l'utilité. Non, mais on s'en fout. On a encore tapé aucune des bestioles là. Hein. On a pas trop le niveau. Mais non mais il faudrait en taper une ou deux là. Histoire de voir, le niveau de difficulté semble plus que respectable. Ah oui, puis on est toujours 3, oh la blague. Tiens bouffe. Il fait des dégâts au bouclier et à travers le bouclier. C'est une lourdeur monstrueuse quoi. 84, oh, c'est sale. Ok. Hydrated water. Ah, level up, intéressant. Max le rhino. Quoi, il dab le rhino, il fait quoi là? J'ai pas compris. Pas le rhino, c'est pas un rhinocéros du tout, c'est un T-Rex. Mais bref. Poulet qui fait cuire des trucs. Finalement un poulet enragé quoi. Pas mal de bouclier monsieur. Un astronaut food, il 82 HP of your target. Ah cool. Cool cool cool. D'accord, donc on voilà, on arrive enfin à un nouveau. Non mais salut. Salut, au revoir Jean-Claude. On en arrive à nouveau à un moment du jeu où je peux à nouveau trouver de la nourriture parce que ça commençait à devenir craignos.
quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc on s'approche d'une femme qui nous notifie, noticing you and notify le soir Towel. Towel, je sais plus que ça. Elle offre de partager avec elle vast knowledge, the fellow, chickener, fumido. J'ai rien compris. J'ai gagné 10 XP. J'ai rien bité. Je vois pas ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle, mais y a un truc que j'ai raté quelque part. Mais bref. On s'est dit go, vas-y, on va manger un morceau, ça marchera bien. Ah, par contre, on fait des thunes, ça c'est très appréciable. Bon, allons terminer cette quête beaucoup trop longue. Ah. Du bruit. J'ai gagné de l'XP et de l'XP. On a gagné deux fois de l'XP, bon ok. C'est cool, on aime beaucoup. Bon, go les embrouilles. C'est une unité de porc. Trois porcs, c'est parti. Bon, on fait plus de l'extrême, hein, puisque le jeu veut rien nous lâcher comme super loot. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont focus tug en boucle. Voilà, le mec a déjà plus de bouclier, ils ont déjà mis la max. De con. Un crit. Combien il reste à ce porc cochon? 32 PV. Je le dodge. Ah, super. Super. Merci le jeu la bonne fois. Super, un critique sur un mec qui a plus de PV. Ça fait toujours aussi plaisir de voir que le jeu en a rien à foutre de ma vie. C'est toujours génial. Qui toi t'es celui-là? 38 PEV, 11 PEV. La blagounette. Après la blague de la zigounette, il y a la blagounette. Ouais, donc tu vas avoir des renforts, tout ça, lol, génial, bravo. Cool. Hein? Il y a des cailloux qui brillent là. Il y a, des... il y a du loot. Hein. Il y a du loot. J'ai l'impression que c'est régénéré régulièrement le loot, mais bon, vu que c'est gratos, hein. Moi, c'est gratos, je prends. Hein. Ah! On entend un étrange bruit venir de derrière nous. Dark moving, could be someone need of help, let's go! Ah! On a raté l'occasion de prendre des tubes. Ok. Ok. C'est Random Man qu'on a retrouvé encore ici. Ah! La TV s'excite, le truc qui brille vite. Voilà. Donc là, c'est un repère de boss. On s'en fout un peu en vrai. Voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça.
Tiens, encore l'aventurière là, qui a perdu son vaisseau dans un trou noir. Allez, double loot. Yes, de la volcanite. Pourquoi ça aurait été là hein, pour en vendre des conneries hein. Des volcanites machin là. Ça vaut 12 balles hein. On a combien là? 6. Vas-y, fais les 6. Allez. Cool. Ok, donc pour ce qui est du nettoyage qui se rapportait au plumage. Ah, il faut. On part? Quoi? La quête est finie dans l'espace. Quoi? Un vieux Mac? On a rencontré un mec solo chelou. Ok, succès déverrouillé. Merdique. J'ai débloqué la classe lourde. Ce qui fait. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais c'est pour jouer dans le nouveau jeu du jeu vidéo? Genre moi dedans le jeu vidéo là, je peux pas jouer? C'est un Sibian et un Mushkin. Là c'est un Pizza Gajo, ok. Ah je comprends rien. Ouais je suis un peu bête hein, vous savez hein. C'est pas toujours... Oh, une planète ici c'est intéressant. Ouais on a tout ceci aussi. Yeah c'est cool. Ah oui je veux pas vous laisser comme ça quand même. Et il y a un truc qu'on a oublié d'acheter les poulets. Oh attendez. Il y a un mec là. Là il y a un vilain moche tout pas beau. Un tout pas beau, très moche, vous voyez. Roulons à 6. Bon, à 6, hein, voilà. Oh le tarif! Quatre. Ah, c'était bien. Oh, on aime l'argent facile. On est passionné d'argent facile. Je sais pas à quoi ils servent ces chiffres spatiaux. On descend dessus. Et on va acheter une armure. Eh oui. Ça, c'est juste pour vous, les gars. C'est vraiment... Ah, alors attendez, hein, je vous fais une petite session scan. C'est cadeau jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de vos rêves. Hein. Ah bah j'ai trouvé des sacs poubelles. Putain trop yimbe. Je suis sûr que je peux trouver plus de sacs poubelles. Tiens d'ailleurs elle est toujours là l'aventurière là. Ah bah oui. Enfin, je pense qu'il faudrait que je m'intéresse à ce qui est écrit en anglais. On a tout raté. Qui dirait l'autre, j'ai zé raté. Oh, devant. C'est pas beau ça. Ok, go acheter. Go acheter une armure. Et après. Et après, je vous libère. Voilà. L'armure est achetée. Je suis pauvre. Je vais pouvoir farmer en votre absence. Même si rien ne m'empêche de lancer une nouvelle campagne. Sur ce, je vous remercie. C'était Clairfranc sur Comme d'habitude Gaming pour Galaxy of Pain and Paper. Et bisous. À la prochaine.